Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission où on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon invité, Régent Joly. Salut, Régent. Bonjour, Simon, et bonjour à tous. Hey, c'est un plaisir, c'est une grande joie pour moi de collaborer avec Parole Vivante, puis de t'avoir là comme animateur. Tu fais très bien ça. Non, mais je suis content, la relève est là. Ben, merci. Je peux aller me reposer, aller me coucher. Non, pas tout de suite. Non, on a une émission à faire. OK, parfait. C'est une grande joie. La joie est partagée de pouvoir oui, puis je suis content de pouvoir poursuivre et continuer, moi aussi, dans d'autres domaines. Hein? Régent, oui. On est en 2021 alors qu'on enregistre cette émission-là. Donc, on entend parler beaucoup de la pandémie. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. et une des questions qu'on m'a demandé souvent, c'est on est-tu à la fin? On est-tu dans les derniers temps? C'est-tu là, Simon? C'est-tu. L'Apocalypse. Exactement. Hein? Même les non-chrétiens se posent cette question-là. C'est-tu ça? Donc, on se fait interpeller, dire Simon, toi, tu crois-tu qu'on est à la fin? La question était posée à Jésus par les apôtres, hein, lorsqu'ils admiraient puis ce qui se passait un peu à Jérusalem dans leur période, dans leur temps. Mais qu'est-ce qui décrirait la fin des temps? Période là, que, dans laquelle là, l'être humain dirait « Oui, je suis rendu là. » Il n'en reste pas long à vivre. Il faut établir quelque chose tout de suite. Aujourd'hui, il n'y aura pas de date. Non. Aujourd'hui, il n'y aura pas avec une certitude, dire, ça arrive tel. Non. On va juste regarder quelques éléments qui nous démontrent l'état ou les circonstances dans lesquelles les derniers temps vont être. Catastrophiques, hein? On peut l'appeler parce que Dieu, c'est ce qu'il annonce, des temps difficiles. Hein? Exactement. Et puis, selon les révélations de Dieu, nous, on se base sur les révélations de Dieu qu'on retrouve dans la Bible. Oui. Et il y en a certaines qui sont pas mal claires. Et j'aimerais ça qu'on puisse lire un texte qui est vraiment très clair. Et c'est notre ami Paul qui a reçu une révélation divine, une révélation de Dieu. Écrit ça à Timothée. Oui. Timothée. Un jeune converti, jeune serviteur. Oui. Puis j'aimerais ça vous inviter à la maison à prendre vos Bibles, de tourner avec moi, avec nous, dans 2 Timothée au chapitre 3. Je vais faire la lecture de quelques versets. Au verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » C'est de ça qu'on parlait. Alors donc, pourquoi la vie sera devenue difficile? Bien, on va lire le verset 2. OK. « Car les hommes seront égoïstes. » Ah, OK, égoïste, ça veut dire c'est moi d'abord. Je suis centré sur moi, mes besoins. Oui. C'est mon petit royaume, c'est mon confort. Mm. Même si ça l'empiète un peu sur le tien, c'est correct. Voilà. Mais c'est moi d'abord. L'ego, hein, le « je me moi ». Oui. Alors, c'est ce qui est sur le trône, c'est ce qui règne dans ma vie. Tout l'aspect communautaire, non, pas tant. C'est vraiment comment moi je le sens. Si ça me fait du bien. Écoute donc, Régent, on est en train de parler d'aujourd'hui? Oui. Ah, parce que ça me semble que c'est ça, c'est comme ça que je vois les choses. Ça me fait du bien, je vais le faire, je vais l'accomplir. Oui. Hein? Oui. Ça me fait plaisir à moi. Hein? Il y avait des publicités, un cadeau à moi. Oui, à moins de moi. Je me faisais, oui. Voilà. Bon, on continue parce qu'on... Mais oui, c'est juste le premier aspect. Il y en a quelques-uns. Ami de l'argent. Tiens donc. Tiens. Ami de l'argent. Ami de l'argent, ça serait... Moi, je veux m'enrichir. Je suis... Mes vieux jours, hein? Oui, c'est que je t'ai financière. Je vais me préparer à ça, là. Oui, overtime. Bref, je vais travailler beaucoup pour me payer une belle vie. Oui, maison, chalet, voiture, voyage. C'est rien de mal, là. Ben non. C'est rien de mal. C'est des plaisirs. On veut se divertir. Ouais. Juste un fait. Oui. La semaine dernière, je visitais un monsieur dans ma région, là où je sers le Seigneur maintenant en Beauce. Et ce monsieur-là, il a travaillé toute sa vie. Il s'est dit, maintenant, je vais penser à mes vieux jours. Alors, il a accumulé beaucoup pour ses vieux jours. Mais là, il doit tout vendre, puis il doit se départir de tout. Puis depuis un an, il combat le cancer des os. Il est en chaise roulante, alors une marchette, voilà. Mais il avait pensé une bonne partie de sa vie à ses vieux jours, comment il serait bien avec ce qu'il possédait. Est-ce qu'on continue la liste? Amis de l'argent. Je pense qu'on est dans une société capitaliste. Mais combien de gens pensent comme ça? On est dans une société capitaliste. Voilà. Si on pense qu'on n'est pas amis de l'argent, notre société est basée là-dessus. En tout cas, elle nous pousse beaucoup. Hein?
On veut faire des économies. Pourquoi on veut faire des économies? Les REER et tout le reste qui s'ensuit, là. Le but n'est pas d'injecter de l'argent pour qu'on ait une société équilibrée. C'est plutôt, je vais économiser le plus possible pour que j'en ai le plus pour moi. Fait que égoïste puis ami de l'argent, ça va comme ensemble, ça. Fanfaron. Puis hautain. Ça va un petit peu ensemble. Fanfaron, c'est, je me prends pour un autre. Je suis arrogant. Je ne veux pas réaliser mes faiblesses. Ce que je suis vraiment. Ça, je garde ça pour moi à l'intérieur. Faut pas que ça ressorte. De toute façon, je suis une bonne personne. Oui. Ici, il y a du sarcasme dans ma voix. Ah, bon. Je suis une bonne personne. T'as-tu déjà entendu du monde qui ont dit que... Je suis une mauvaise personne. Moi, j'étais un pourri, là, qui... Oui, qui... Ah, oui. J'étais un échec total. Pour avoir parlé à plusieurs personnes, soit dans des vox pop sur la rue ou des contacts, peu importe, la grande majorité des gens trouvent que c'est des bonnes personnes. Et ce que je trouve vraiment spécial, c'est là ce que je dis, est-ce qu'on prend les 10 commandements qui sont simples, puis on s'expose voir si on est vraiment, si vous êtes vraiment une bonne personne. Passez le test. On passe le test. Un, tu ne mentiras pas. Ah, tu as déjà menti. OK, fait donc, selon ce que tu me dis... Tu ne convoiteras pas. Tu vas aimer Dieu... Tout ton être. De ton premier respire à ton dernier. C'est tout le jour pour lui. Et la liste, il y en a juste... On vient juste d'en faire quelques-uns. Oui, là. Fait que, on aime se sentir au-dessus, au-dessus de tout. Hey, aïe, blasphémateur. Le nom du Seigneur en vain. Et ça, il n'y a pas juste sacré ou être vulgaire. Non. Tu peux blasphémer, c'est quand tu ne mets pas Dieu sur... Quand tu ne lui donnes pas la place... qu'il a. Qu'il doit. Cette place qui lui est méritée, hein, de régner dans nos cœurs, dans nos vies, hein, c'est de le tasser puis de laisser bien autre chose prendre sa place. Absolument. Dire que Dieu est l'auteur du mal, dire que Dieu est injuste, dire que Dieu est... C'est blasphémé, sa personne. Hein? Tu lèves le poing, tu es en colère contre Dieu. Attends, un petit peu. Après lui. Ouais. Coudonc. On parle de même, là. Mais... C'est encore... ça décrit les temps difficiles, hein? Oui. Mais on va prendre une pause. On est quand même juste à la moitié du verset 2. Okay. Après la pause, on va continuer. On va-tu passer à travers? D'après moi, oui. D'après moi, oui. Mais avouez que c'est intéressant. On est tous en train de décrire comment ça va être, la philosophie, comment les gens vont être dans les derniers temps, dans les temps difficiles, quand ça va être fini. Et ça a été écrit il y a 2000 ans. C'est drôle. Probablement, vous êtes comme nous. Là. Hey, on est en train de parler d'aujourd'hui. Est-ce qu'on est en train de dire ça aujourd'hui? Non, on est en train de dire que c'est peut-être demain, par exemple. Avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le livre « Destination finale » de Marc Cahill. Peut-être que vous dites, ouais, Simon, ça, à toutes les émissions, t'en parles. Est-ce que vous l'avez? Ben, si vous ne l'avez pas, c'est le temps de nous appeler, c'est le temps de nous écrire. Pourquoi c'est si important? Ben, parce que ceux qui veulent apprendre à connaître la Bible, connaître Dieu, connaître son plan pour nous, connaître qu'est-ce qui se passe lorsqu'on meurt, ben, on considère que Marc Cahill fait un super boulot de prendre les Écritures et de l'expliquer. Donc, c'est pour ça qu'on en parle si souvent et que j'aimerais tellement que vous puissiez l'avoir entre les mains et le lire. Si vous le voulez, comme je dis, écrivez-nous, appelez-nous et on vous l'envoie tout à fait gratuitement. Donc, restez avec nous après la pause. On continue de... Décrire le comportement humain. Et voilà. Qu'est-ce que ça va être? À quoi ça va ressembler dans les derniers temps? Restez avec nous. Dans les derniers temps. Avant la pause, on avait commencé à regarder un texte qui nous expliquait comment ça va être au niveau moral. Et Dieu dit que ça va être difficile. Ben oui. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront... Et là, il y a une liste. Bon. On était rendu au milieu du verset 2. « Rebelles à leurs parents. » Toi, quand tu étais plus jeune, je vois que tu as plus de cheveux blancs que moi un petit peu. Là. C'est bon, j'ai encore des cheveux. Oui, t'es pas encore décapotable. Comment c'était être rebelle à ses parents? Et que c'était corrigé immédiatement sur le champ. Ça passait pas une rébellion. Les enfants savaient leur place. Oui, oui. Les parents avaient de l'autorité, puis assis-toi, calme-toi, puis on va s'expliquer, là. C'est drôle, aujourd'hui, j'ai plus l'impression que c'est les parents qui doivent obéir aux enfants.
Ça, on regarde ça, puis les enfants décident de beaucoup de choses. Puis les parents, ils ont comme sont menottés, puis on veut pas trop brimer nos enfants parce que... Aïe, aïe, aïe. Puis les enfants sont très rebelles, sont très revendicateurs, et c'est comme si on perpétue cette pensée-là. Mais jadis, c'était pas de même du tout. L'autorité, c'était important. Oui. Aujourd'hui, c'était respecté. Aussi bien en classe qu'à la maison. Oui, puis les personnes âgées qui nous écoutent vont se souvenir qu'il y avait beaucoup de respect envers les personnes âgées. Aujourd'hui, moi, quand je dis, mettons, je suis à une caisse à l'épicerie, puis il y a quelqu'un qui, un caissier ou peu importe, un employé qui tutoie une personne d'âge vénérable, je suis comme, voyons donc. C'est... Ah ouais. Alors, je sais que c'est pas rebelle aux parents, là, mais ça rentre mais dans ça le bain. Ça rentre là-dedans. C'est ça, les respectueux. Mais le prochain terme, justement. Ingrat. Ça, c'est tout tes dû. À quand les merci, les remerciements, la gratitude? Ça, en fait, encore une fois, ça rentre ici dans l'aspect de communauté. Quand tu as la gratitude, ça veut dire que tu reconnais que l'autre, ça lui a coûté quelque chose, pas nécessairement financièrement, là, mais ça lui a coûté quelque chose et on se le passe. Mm-hmm. On le dit, le premier, c'était égoïste. On vit dans une société où est-ce que tout est centré sur moi. Voilà. J'ai pas besoin d'être ingrat, d'avoir de la gratitude. C'est dû. On me doit tout. Ben oui. Alors, pourquoi dire merci? Je le mérite. J'en veux encore un petit peu plus. Irreligieux. Alors, la religion a pris le bord, hein? Les églises se vident. Oui. Au Québec, c'est par dizaines à tous les ans que les églises... Puis on parle de la religion, mais ça peut être des valeurs, puis Dieu lui-même. Hein? Puis, absolument. Absolument. C'est ça. C'est pas populaire aujourd'hui. Non, parler de Dieu, parler de Jésus-Christ, puis de ces valeurs-là, de l'amour, l'amitié, l'entraide. Le philosophe Nietzsche a dit que Dieu était mort. Et il y en a beaucoup qui ont repris ça. Dieu est mort. Donc, la religion, pas du tout. Irreligieux. On ne veut pas entendre parler de Dieu. Le code moral, et puis de toutes ces lois, de principes, de dire, ben voici un encadrement pour toi, là, si tu veux être heureux, ben voici le cadre dans lequel tu peux vivre. On n'en veut plus de ça, là. Ouais. Verset 3, insensible. Insensible aux besoins de l'autre, à la personne que tu accompagnes dans la vie. Hein? Ouais. On est individualiste. Et puis, ce qui se passe ailleurs, on a parlé dans une autre émission. Oui. Tu sais qu'il y a 3 morts en Afghanistan. Puis OK. Mais 3 000 même. 14 millions meurent de faim. Puis... Bon. Il y a 1 million de personnes qui se font vendre, la grande majorité, pour la traite sexuelle. Ah, c'est plate. Hein? Des milliers de morts suite à un tremblement de terre, ben oui. Il y a des dizaines de millions d'enfants qui n'ont pas de toit et qui meurent de faim par année. Bon. Oui, oui. Insensible. Mais tu te fais piler la grosse orteille, watch out, attention. Là, c'est moi, ça. Mais tu vas payer pour. Hey, hey, hey. Déloyaux. Ouais, ça aussi. Hein? Être loyal. Les contrats, ça se déchire aisément, facilement. Maintenant, je t'ai dit oui, mais ma parole ne vaut pas grand-chose. C'est ça, ouais. Ouais. Calomniateur. Calomniateur, la différence entre la médisance et une calomnie. Une médisance, c'est je parle dans ton dos, mais je dis quelque chose de vrai. La calomnie, c'est je parle dans ton dos pour dire quelque chose qui n'est pas tout à fait j'invente vrai. J'invente des histoires. Ouais. T'as-tu déjà rencontré des gens qui exagèrent l'autre? Oui. Puis mieux paraître? Voilà. Remodeler un peu l'histoire. En sorte que je parais le héros, puis l'autre paraît vraiment mauvais. Encore une fois, on vit dans un système, puis je pense que les êtres humains sont comme ça, on aime être une victime. Oui. On aime être une victime. Donc, si je suis une victime, je vais arranger l'histoire pour que je sois une victime. Et ça avance à tort, l'histoire, puis on fait de la calomnie. Intempérant. Tempérance. Ouais. Tempérance. Pas d'envolée d'émotions. Bref, je regarde justement les nouvelles. Je regarde toutes les manifestations qui se passent un peu partout sur la Terre. Intempérant. C'est pas hey, on se calme, on prend notre gaz égal, tout le monde, on respire par le nez. Non, c'est pas ça. C'est levons-nous et protestons. Ouais. Ça prend pas de temps, hein? Sur les réseaux sociaux, on s'envoie le petit message, puis la rue est pleine de gens, là, puis en train de manifester, puis de crier les slogans. Cruel. Tempérer, c'est modère-toi. Calme-toi, respire par le nez. Ouais. Prends un temps de réfléchir, là. On pense à la communauté. Pensons. Action-réaction. Voilà. Hein? Fait, on part, puis on a une flèche. Puis après ça, on se dit, il s'est passé de quoi? Oui. Cruel. Et cruel. Et là là. Je dis tout ça, moi, là, Régent?
Décris-nous, c'est quoi le comportement d'être cruel? Bien, c'est de laisser voir des gens qui sont dans la misère. Et les laisser. Et les laisser là. Donc, moi, et ça revient encore égoïste, moi, je me suis fait un beau petit royaume confortable, sécuritaire, mis de l'argent, donc je me suis dit... Il ne faut pas venir me déranger. Il n'est pas me déranger. Ah, ils ont besoin de 100... ils ont besoin d'argent, je vais envoyer 100 piastres, ça satisfait ma conscience. Attends un petit peu, mais si tu vendais ta maison puis tu le donnais aux pauvres, ah, là, ça te soulagerait vraiment plus. Est-ce que je peux inclure la parabole du bon samaritain? Là? Clairement. Les autres étaient cruels, ouais. À part le samaritain. Ils n'ont pas assez droit. Oui. Un s'est penché vers celui qui venait d'être blessé. Mmh. Donc, c'est non seulement penser faire le plaies, mal... puis même rajouter plus pour qu'il puisse avoir donc, les bons soins par la suite. Ouais. Alors, c'est ça, être cruel, c'est de laisser les gens dans leurs besoins. Mais encore une fois, on est juste rendu à la fin du verset 3, puis il en reste encore, puis on est... écoute... Ennemi des gens de bien. Écoutez, aujourd'hui, si moi je dis « je ne suis contre l'avortement mm. » Et là, je viens de le dire, et probablement qu'il va y avoir des commentaires. Oui. Je suis contre l'identité des gens. Donc, je peux être non-binaire ou toutes ces affaires. Hein? Je suis contre oui. ça. Et ça ne fonctionne la pas. La tollé, hein? Ça va être incroyable. Oui. Tu vas être lapidé sur la place publique. Pourtant, là, je suis en train de dire c'est bien, mais je suis en train de dire ben moi, je prends les valeurs morales voilà, de Dieu, puis hein? je dis ben je regarde ça, puis les gens vont dire non, c'est pas bon ça, Simon. Mm-hmm. T'es un gros pourri, là, tu juges, puis fais ça. Non, je fais juste dire moi, je suis pas d'accord. Ennemi des gens de bien. Puis c'est dérangeant, les gens qui sont généreux avec les autres, qui font du bien. Parce que souvent, ça met en lumière ce que nous, on fait pas. Oui. Fait qu'après ça, on va dire « ouais, mais » puis on va expliquer ce qu'ils font, puis tout ça. On prend une pause. On prend une pause, je trouve ça lourd. Ça va faire du bien. Je trouve ça lourd. Et peut-être que vous aussi, à la maison, vous trouvez ça lourd, parce que vous... aïe, aïe, bien, ça nous parle de temps difficile. C'est supposé d'être lourd. Et encore une fois, ça nous remet dans la place, dans le spectre. On est où, nous autres, là-dedans? Est-ce qu'on se rapproche ou maintenant c'est encore très loin? À la lumière de ce qu'on voit, wow, j'ai l'impression que ça pourrait être très proche. Restez après la pause. Après la pause, on continue. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Réjean, on est en train de dresser le portrait d'une société. Oui, on met des société. Morceaux de casse-tête, décrire un peu qui est l'homme, l'être humain. Dans les derniers temps. Aux yeux de Dieu. Oui, clairement. Hein? On est rendu au verset 4, ça nous dit traître. Un bel exemple de la traîtrise. Ben, Judas. Il trahit son maître. Mais on a parlé des loyaux. Ça va un petit peu oui. ensemble. Ça veut dire que je peux facilement me revirer de bord puis aller sur mon propre chemin et oubliant que j'avais des attaches, j'avais des liens là. Ouais. Emporter la colère. Ne pas se maîtriser. Ouais. Ouais. Il faut juste regarder tous les féminicides qu'il y a dernièrement. C'est lourd, ça. Ouais. Et toute la violence faite aux enfants, aux femmes, puis tout ça. Ouais. C'est l'emportement, c'est la colère, c'est la violence. C'est-tu vrai ou il y en a plus qu'avant? Moi, je te dis qu'il y en a plus qu'avant. Ouais. Il y a plus d'humains qu'avant, oui. déjà là. Mais le comportement aussi, parce que Dieu est en train de décrire que ça va s'amplifier, ces aspects-là chez l'être humain, ouais. son comportement. C'est donc triste parce qu'il y a des victimes. Qui va nuire à ses relations. Absolument. Ses relations interpersonnelles, et ainsi de suite. L'autre, après, c'est enflé d'orgueil, Réjean. Enflé d'orgueil. C'est d'être au-dessus de tout. Oui, c'est comme fanfaron hautain, égoïste qu'on voilà, a vu tantôt. C'est ça, ouais, oui. Ouais. L'autre, après, c'est aimant le plaisir plus que Dieu. Aïe, 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 aïe. Aimant le plaisir plus que Dieu. Donc, si j'ai le choix d'avoir une vie d'adoration avec le Seigneur, ou me faire une belle vie avec du divertissement, avec plein de choses. Je vais choisir ce genre de vie.
Divertissement. Je me demande si on faisait du recrutement à grande échelle, on cherche des adorateurs. Ouais. Mmh. Qui vont suivre le Seigneur selon ses voies et qui vont abandonner leur vie pour pouvoir gagner. Ouais. Pas gagner leur ciel, je veux juste donner ma phrase. Voilà, oui. Gagner Christ. Voilà. Et pas dans le sens que tu. Je travaille à ça. Non. Parce que quand tu marches pour le Seigneur, tu vis avec le Seigneur et t'expérimentes le Seigneur. Mais quand même, Dieu promet des récompenses à ses serviteurs fidèles. Absolument. Je me demande si ça pognerait bien gros si on faisait du recrutement. Déjà, on serait pas mal à l'échec. Ouais. Offrir ce choix-là à l'humanité, là? Dieu ou le plaisir? On peut arrêter, on peut passer au suivant, c'est facile. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il y a beaucoup de gens... Qui ont l'air pieux. Hein? Qui ont de l'air pieux, qui ont de l'air sages, qui ont Les paroles de sagesse sortent de leur bouche aussi. Hein? Oui, puis quand tu les écoutes, tu te dis, hey, lui doit avoir raison parce qu'il parle vraiment bien. Oui, mais à l'intérieur. Oui. Ça, il n'y a pas cette force de cette piété-là. Et c'est quoi la piété selon Dieu? C'est marcher dans ses voies en toute humilité. Et de ressembler à son Fils. Absolument. C'est ça, atteindre l'objectif premier de l'être humain, si on veut arriver finalement à une conclusion, à une réponse. Où est-ce que Dieu veut nous emmener en décrivant le comportement humain? C'est, vous avez manqué, vous avez échoué. Parce que en disant tout ça, il y a bien des affaires que ça parle de moi. Ben, là, on voit l'ensemble maintenant, là, le casse-tête. Bon, il est rassemblé, les pièces sont là devant nous, puis on recule un peu un petit... Yac! Puis moi, c'est je suis ça, l'être humain. On est là-dedans. Puis moi, j'en fais partie. Je suis là, moi, dans cette société. Et bien souvent, on a l'arrogance. On dit, ouais, mais moi, Dieu, tu sais, je vais m'arranger avec lui, puis je suis une bonne personne. Attends un petit peu, là. Ça, c'est comment Dieu nous voit. Oui. Alors, il y a un problème. Nous avons un problème avec Dieu. Et on avait un problème. Et ça, c'est dans les derniers temps. Mais si on est dans les derniers temps, est-ce que moi, je suis prêt à faire face à Dieu? Et puis à faire face à ce que ça, la c'est façon ce dont Dieu me décrit. Ouais. Soit je repousse ça carrément, je revers de la main, je dis hey, c'est pas moi ça. Ou je dis oui. Peut-être pas tous, là, mais j'en ai plusieurs. Cette description-là concernant l'être humain. Dieu dit le verdict, c'est que tu es coupable, tu es pécheur. Comme je dis, peut-être pas toute la gang, mais quelques-uns là-dedans. Tu as failli, tu as manqué. Ouais. Fait que dans les derniers temps, ça va être difficile. Mm. On a parlé de l'apocalypse, on a parlé des grands cataclysmes puis des grands jugements puis tout ça. Mais Dieu, c'est pas nécessairement là qu'il veut que tout le monde aille. Là. Il a pourvu à une solution à des gens qui étaient ses ennemis, à des gens qui voulaient centrer toutes leurs choses sur eux et qui étaient vraiment égocentriques et tout ça. Il y a une solution. Mais notre lecture s'est terminée sur reniant ce qui en fait la force. Alors, où est la force qui va m'aider à changer mon comportement? Bien, la première, c'est de réaliser que j'ai besoin de changer de comportement. C'est de réaliser, attends un petit peu, là, je suis directement sur l'autoroute qui m'emmène en enfer. Pourquoi je dis en enfer? Parce que c'est loin de Dieu. Oui. Les ennemis de Dieu ne vont pas avec Dieu. Et Dieu habite dans une sainteté, une pureté qu'on ne peut même pas imaginer. Qu'est-ce que nous, alors, on est séparés. On est séparés de lui. La première chose, la force, c'est de réaliser qu'attends un petit peu, je suis faible. Et tout cela déshonore Dieu, déshonore mon Créateur. Je ne peux l'être pas. Qui m'a créé, c'est pas de cette façon-là qu'il s'attendait à ce que l'être humain vive sur cette terre. Écoute, Réjean, je pense qu'on va prendre une pause. Puis à la maison, j'aimerais ça qu'on puisse réfléchir, que vous puissiez réfléchir. Est-ce que vous êtes pécheur? Parce que là, ici, on a juste remarqué que dans les derniers temps, il va y avoir une gang de pêcheurs qui vont pêcher. Vous, est-ce que vous êtes pécheur? La Bible dit que vous l'êtes, parce que tous ont péché. Moi aussi, je le suis. Le problème, c'est est-ce que vous réalisez que ça crée un gouffre entre vous et Dieu et qu'il n'y a rien que je peux faire? Rien que vous pouvez faire qui va me construire un pont vers sa sainteté. Parce que moi, je ne suis pas saint. Je ne sais même pas ça. Le pont, il serait prêt avec quoi? Prenez quelques instants pour méditer sur ce grand sujet-là. Est-ce que je suis pécheur? Est-ce que je réalise que j'ai besoin d'un sauveur? Parce que la bonne nouvelle qu'on va voir après la pause, c'est Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Restez avec moi. Thank you.
Bonjour à vous. Avouez que c'est lourd et c'est malaisant qu'on réalise qu'on est des ennemis de Dieu. Nous, on se pense tout cute, tout rose, tout beau. C'est un peu quand Dieu nous dit, en fait, tu ne l'es pas du tout, tu es un pécheur. Et il y a un gouffre qui nous sépare. Et là, on voit par le comportement que le péché est bel et bien présent dans notre société et dans chacun d'entre nous. Et ça cause un gros problème, parce que comment je fais pour me rendre à Dieu, comme on a parlé juste avant la pause, comment je fais pour me rendre à Dieu? Bien, Paul est en train de parler à Timothée, puis il lui rappelle une chose, juste un peu plus loin, toujours dans le même chapitre. Hein? Il dit au verset 15, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Alors, c'est ça la solution. Alors donc, attache-toi aux écrits, attache-toi aux révélations de Dieu, à la parole de Dieu, à la Sainte Bible. Elle va te conduire là où tu voudrais, où tu ne voudrais peut-être pas être, mais que Dieu voudrait que tu sois, c'est aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. La vraie piété, c'est ça. C'est qu'en découvrant l'être pécheur que tu es, et en lisant les Écritures, tu découvres qu'il y a une solution face à tout ce qui vient d'être décrit dans ce texte de 2 Timothée, chapitre 3. Alors, tu t'inclus dans ce chapitre, eh bien, tu crées au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu te libérer de ton péché et même du salaire du péché qui est la mort. Il l'a subi à ta place afin que toi, tu puisses avoir sa vie. Et c'est ça la vie de piété, c'est de vivre selon le Christ, de vivre le Christ en nous, par la foi. Dans Romains chapitre 6, au verset 23, on lit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » On est séparé de Dieu, on parle d'enfer ici. Le salaire du péché, on va subir ça parce qu'on est pécheur. Mais regardez le reste du verset ici, écoutez bien. « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » On parle ici d'être unis à Christ en Dieu pour l'éternité. On parle ici, oui, d'aller au ciel, mais c'est beaucoup plus qu'une destination. C'est d'avoir ses péchés pardonnés, c'est d'être pleinement accepté, non pas parce qu'on est bon, mais parce que Christ nous a revêtus de sa justice. Et avoir un nouveau comportement. Absolument. Une nouvelle façon de vivre. Une transformation, parce qu'il nous donne son Esprit Saint qui nous transforme. Alors, mes chers amis, tournez-vous vers Dieu et implorez son salut qu'il peut nous donner par Jésus. Merci beaucoup, Régent. Merci Bienvenue. À vous et que le Seigneur vous bénisse.